Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous apprendre deux astuces pour vous débarrasser définitivement de vos boutons en un jour avec deux ingrédients simples et super naturels que vous avez sûrement dans votre cuisine. En passant, abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, juste en cliquant en dessous de la vidéo. C'est écrit « s'abonner » en français ou « subscribe » en anglais. Active la cloche de notification et let's go! La première astuce, vous aurez tout simplement besoin de l'ail. Donc vous allez prendre une gousse d'ail et la couper en deux. Ensuite, appliquez le jus en tapotant délicatement sur vos boutons. Laissez reposer pendant environ 1 à 2 heures et rincez-vous le visage. Cette technique est plus recommandée pour des personnes qui n'ont pas assez de boutons. Si vous en avez assez, je vous conseillerais d'extraire le jus avant d'appliquer à l'aide d'un coton. Donc, râpez quelques gousses d'ail. Faites une quantité convenable. Dans la vidéo, j'ai fait une quantité assez importante parce que j'avais autre chose à faire que je vous montrerai peut-être dans une prochaine vidéo. Après avoir râpé, utilisez un filet ou quelque chose d'assez léger pour filtrer votre jus. Et voilà, le jus d'ail est enfin prêt à être utilisé. À l'aide d'un coton, appliquez le jus d'ail sur les zones à problème. Surtout, évitez le contour des yeux ou tout contact avec les yeux. N'appliquez pas sur tout le visage, vous aurez peut-être du mal à le supporter parce que ça pique de ouf. Mais ça en vaut quand même la peine parce que à la base j'ai une peau grasse, mais grâce à ces astuces, je n'ai quasiment pas de boutons. Appliquez uniquement sur les zones à problème. De préférence, faites-le 1 heure voire quelques minutes avant de vous coucher et laissez poser toute la nuit. Ensuite, rincez-vous le visage le lendemain. Vous verrez déjà la différence pour ceux qui ont beaucoup de boutons, ou mieux, vos boutons seront complètement séchés. L'ail est un antibactérien, un antioxydant et surtout un puissant anti-inflammatoire, raison pour laquelle il est plus qu'efficace pour les boutons. Pour la deuxième astuce, vous aurez juste besoin d'un citron. Donc j'ai essayé de le travailler pour pouvoir extraire facilement le jus de citron. Après cela, coupez le citron en deux et retirez le jus dans son écorce. Ensuite, appliquez sur un visage préalablement nettoyé et ça à l'aide d'un coton imbibé du jus de citron. Faites-le en tapotant délicatement sur votre visage et en essayant de faire des mouvements circulaires car le citron favorise aussi la circulation sanguine. Par contre, ne l'appliquez pas sur tout votre visage parce que son jus contient également beaucoup d'acide, ce qui pourrait irriter la peau. Une petite quantité fera l'affaire, alors doucement. Enfin, laissez reposer toute la nuit pour vous laver le visage le lendemain et le tour est joué. Par contre, le citron pique moins que l'ail, mais si vous voulez un résultat à l'immédiat, l'ail est le mieux placé pour ça. Faites-le pendant 3 nuits et adieu les boutons. Le jus de citron est utile pour la peau car il augmente l'acidité de la peau, stimule le processus de renouvellement de cellules de la peau et bien d'autres. Si vous avez des taches, je vous invite à regarder ma vidéo sur le masque curcuma, le lien sera en barre d'infos. Le seul petit conseil que je peux vous donner, c'est d'éviter de casser vos boutons. Alors, si vous voulez avoir une peau sans taches, boutons et tout, ne cassez plus vos boutons. J'espère que la vidéo t'a plu et a pu t'aider. Si oui, like la vidéo, laisse-moi un commentaire en cas de question ou un cœur. Ça me ferait énormément plaisir. Partage la vidéo pour aider le maximum de personnes concernées. Et surtout, abonne-toi pour ne plus manquer mes vidéos à l'avenir. Active la petite cloche pour recevoir un message à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo.
On se dit à la prochaine. Bisous.